Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming pour j'ai le temps ou pas? J'ai le temps pour la dernière partie de l'épisode précédent. La fin de l'île, bien sûr. On appellera la fin de l'île. Ah oui, c'est vrai que c'est manette. Hey, je vais le faire. Ça veut dire que c'est un excellent jeu. J'aime le faire sur temps. C'est une vidéo évidemment préparée d'avance. C'était prévu, c'est pour gagner du temps, bien sûr. Mode conquête. Et on continue. Notre projet c'était quoi? On avait récupéré je crois un camtar, si je dis pas de bêtises. Ouais, et un hélicoptère. Par contre on va peut-être pas tout claquer sur ces gens là. Ah oui, ils montent des choses parce que j'ai mis ma souris dessus. Yes. Du coup tu peux donner des infos genre là-dessus. Grue 78 puissant, canon d'assaut anti-infanterie. Ah, ils vont lancer des missiles. Moi j'ai envie de voir. Mais c'est pas tout de suite. Ouais, on va chercher un petit puits de pétrole, y a pas de raison. Y a quoi là-dedans? Des camions, un sniper, calibre 12. Qu'est-ce que je vais leur opposer comme forme de résistance? Je suis d'accord. Bon, comme ça, on va pouvoir voir le bouclier. Je vais ajouter un drone, je pense, c'est cool. Et on est déjà bien. Avec les drones, ça fait le taf déjà. On peut mettre un gros. Excusez-moi, si on peut mettre un gros. Si on peut mettre un gros. On va garder le gros. Je pense qu'on est déjà bien. J'ai même pas regardé si je pouvais améliorer la troupe. Je suis parti comme ça. Comme ça, Zinedine. Super, let's go! Ah, j'ai tout de suite les shields. C'est un peu cher les shields. Pas de tourelle. C'est bon ça? Pas de canon, non? Pas de canon? Il y avait quoi? Ah oui, il y avait que des véhicules, des pompes et. Des véhicules, des fusils à pompe et comment elle s'appelle la sniper là. Ça donne quoi vos améliorations à vous? Fibre renforcée augmente la défense du shield. Je suis d'accord. Ils sont terribles hein, les shields hein. Ils bougent pas hein. Tout ce qu'on a tenu avec juste 3 boucles. C'est la vue. C'est bien les shields, c'est fort. Et on va dépanner un peu les bros. Ah, j'ai pas le but, je peux lancer des drones. Ah mais il y a d'autres buts hein. Et il y a plus de troupes. Oh, ça coûte un peu cher dès qu'on n'a pas juste des sbires. Par le nombre d'hommes là. Ok.
Ok, ok, faut plus de gars. Et là, il me faut des drones. C'est sûr, il me faut du drone. Des thunes. Hop hop hop, on envoie du shield. Par contre les gars, je vais tous passer en haut. Personne pour défendre la ligne en bas. Il y a un nombre de gars par contre en haut. Hein. Ouais, juste plus de thunes. Plus de budge. Ils ont envoyé le stock de bagnole. Hein. Hey, ils sont en train d'arriver à la maison là. C'est non. Première défense qu'ils vont avoir une sacrée puissance de feu. Faut que je tombe la bagnole. Ah ouais, les bagnoles elles arrivent. Oh non, les bagnoles sont tombées. Mince. Ils ont encore des bagnoles, mais ils ont des bagnoles en continu. Ah oui, c'est là, vraiment, c'est la période de tension qui est genre hyper large. Ok, ok. Ok, ça s'arrête là, je bombarde ici. Ah ouais, la sauce que je me prends. Comme ça. Faut que ça disparaisse. Eh bah j'ai perdu. Putain, ah ouais là c'est ce que j'ai pris hein. Le bouton central, je sais plus comment on s'en sert. Les touches. Les touches. Ces trucs là, pipa balance, mini, même cette, je connais pas. C'est pas ça que je cherche, c'est les touches. Bon. Bon. Terminé, on a perdu. Voilà, j'ai échoué une opération sur 5. Elle était intense. Elle était intense, faut dire que je suis parti un peu comme un cow-boy. Les shields ont bien fait le taf. Les chiens feraient grave le taf si je les prenais. Vu ce que ça va coûter, on va se prendre un baril, on va se reprendre des drones. Ouais. Carrément. Plus d'XP plus vite. Ouais, vraiment. En plus c'est dommage, on arrive à la fin de la période intense. Hein. On pouvait le passer quoi. On y retourne. Moucheron volant. Ah la map de l'aéroport détruite, elle est cool.
Putain, j'ai déjà perdu un shield. Ça, c'est un peu moche. Hein. Alors, ils tankent très bien, mais ils ont pas un DPS de ouf, hein, les gars, par contre. Hein. Arrive. Et il lâche les véhicules à 20 intensité. Ouais, dès qu'il y a du rouge, en fait, les véhicules sont lâchés. Ok, et là, c'est les problèmes. Ah oui, mais j'ai pas la capacité en homme pour lâcher le dernier. Bien attends, c'est vache ça. J'ai dû réfléchir que c'était pas une bonne idée, j'aurais dû mettre des gars que je pouvais déployer en infini là, parce que là on a une force de frappe qui est effectivement très forte. On peut le voir, hein. Ça a bien poussé d'un coup. Hein. Je peux avoir 10$ s'il vous plaît, ouais, merci. Pas besoin de plus, hein. Là, j'ai juste besoin d'argent, les gars. Allez, feu. Je sert à rien, vous êtes déjà au max, donc juste des thunes. Voilà. Ça sert à rien. Je rajoute un emplacement de gars, mais ça sert à rien, parce que je suis au maximum de mes effectifs. Là, littéralement 7 mecs. Les 7 mecs qui sont énervés. La ligne de front, c'était littéralement 5 gars. On a gagné un camion. Ok. Donc celui-là, on peut aller débloquer un hélicoptère super spécial. Et il y a un ennemi qu'on n'a jamais affronté, hein, qui est l'espèce de tourelle. On va aller voir ce que c'est. Tourelle défensive, une tourelle de défense ennemie à portée moyenne. Et grande barre de vie. Ah, c'est l'équivalent de mon mini roquette qu'on met derrière des tas de sable. Ok. Ça, ils ont des barbelés, des machins. Et un missile que je ne connais pas. J'ai envie d'aller chercher le missile qu'on connaît pas, tant qu'à faire. Alors, on va le chercher avec quoi? Du pipe de base, déjà, ça c'est sûr. Du Baptiste. C'est-à-dire du gros, hein, dans le milieu. On va prendre le mini et la mini tourelle. On va pas claquer une pipe. J'ai pas envie de claquer une pipe. Bon, mais je pourrais claquer une pipe. Ça dépend, il reste combien de combats là-dessus? Et il en reste encore un paquet. On va récupérer la pipe. Qu'est-ce que j'ai pas encore montré? Les mines? On se déploie une mine? Et la mini tourelle. Ouais, la mini tourelle est un autre combat. Ouais, même la mine, en vrai, j'ai tellement déjà de mecs défensifs. Ouais, vas-y. Bon, on va garder la mine, c'est pour le plaisir d'offrir. Ah, bah, un pipeux, ouais, on va se prendre à War Pipeux en promo, hein, bien sûr. Bien sûr, on n'est pas comme ça. Hein. 75. Oui, d'ailleurs, ça donne pas 3 points supplémentaires, ça me passe à 3 points, mais oui. On va commencer tout de suite dans la vague intense véhicule. Ouah, le jeu qui veut pas que je gagne dès le début. Opération hydrophone aérien. J'ai 10 000. Ah, j'ai plus de thunes.
J'ai vu le tunnel. Et ils ont esquivé les mines. Pourquoi les mines elles pètent pas? C'est de la merde les mines. J'ai oublié que j'avais ça. Parce que la map est toute petite, putain, ça, j'y ai même pas pensé. Enfin, j'y ai même pas pensé, je connais pas, c'est pas la carte, donc... On s'est fait détruire. Je sais pas pourquoi les mines, ça marche pas. Marcher ce truc là, non? Oui, ça a l'air de marcher, mais c'est timide, hein. Ah, la nappe est grande comme un mouchoir de poche. J'essaie de placer mes mines à la con parce que j'en ai jamais joué, hein, donc ah oui, je suis au max, donc c'est pas une question de budget, hein, c'est une question de place. On est pas frais. On s'est bien fait soulever sur cette carte là. Dernière mine ici. Pas joli. Ça se recharge par contre les mines, ok. J'ai pas été convaincu par les mines, ça coûte très cher la mine, je trouve. Ça, un peu hors de prix quoi. Et mais j'ai tout gagné. Bon, moi ça répond à une question de quand t'es abauché, est-ce que tu gagnes tout? Oui, la réponse est oui. On répond à des tas de questions. Ouah, on peut en avoir un avion qui lâche des missiles. Je veux voir. Je veux voir tout ça. Par contre, ça a l'air d'être les vraies choses sérieuses, là. Juste, c'est quoi le déploiement pour voir? Ah, c'est pas si sérieux que ça tout de suite. Alors, on va prendre un petit peu de base. Voilà. Et c'est un combat, si ça dure un peu. Je sais plus lequel des deux on a testé. Ah, c'est celui-là qu'on a testé, qui nécessitait que 2 étoiles. 2 étoiles à déverrouiller, hein. 1 minute 30 sans pouvoir jouer. 3 étoiles. En fait, le problème que j'ai, c'est que là, j'ai peur, si je déploie un véhicule, de finir trop vite. Ça embête un peu. Ça sera un peu gâché. Coro automatisé réduit légèrement le temps. C'est une roquette aussi, hein. Ouais, c'est ça, c'est juste un missile aussi. Je sais même pas s'il y en a plus, je sais même pas détail. Ok. Non, c'est pas ça que je voulais. Enlève le détail. Un peu plus précis que l'autre, c'est ça? Non, même pas. Ah, j'ai 4 munitions. Hein, j'ai plus de munitions, ok. Pour ce type de missile. Bah vous savez quoi? On va se tester celui-là du coup avec. Ça me paraît très bien. Nous n'avons pas de budget. Ah, il faut 75, dommage.
Déploiement, hein. Techniquement, on a de quoi les tenir. Ça devrait bien se passer. Avec deux tourelles dessus et un champ de mine. Je suis pas très fan du champ de mine. Au moins, ça, on peut dire que c'était rigolo. Moi, je suis pas pressé. Hein. L'économie de budget. En fait, le problème, c'est que pour envoyer ma vague, il faut que j'attende les gros. Sinon, ça passera pas. Grenader le machin. Ah non, mais balancer toutes vos grenades dans l'abruti, le premier abruti qui passait. Superbe. Change rien, les mecs. Alors moi, je rigole si ça passe comme ça. Hein. Le même débile. Il faudrait 280 pour tous les sortir. Ça commence à faire beaucoup d'argent. Musique est ouf. Voilà, j'ai un monstre à dire. Juste en fait. Le problème, c'est les mines. Genre, vous glissez entre les mines. Alors ça, c'est New Age. La tourelle... Ah oui, c'était la tourelle automatique, la petite particularité. J'avais oublié ce... J'avais occulté ce détail technique. Eh ben, on l'a sorti. Ah, ça bratate, hein. Ils ont une balise de... Ils ont un camion plein de missiles aussi. Ouais, le problème c'est qu'ils butent les gros avec. Ça c'est un petit problème ça. Abattez-les! Non. Malheureusement non. Ils vont se laisser crever comme des débiles. Et j'ai plus de budget. Putain. Cette petite bécane là qui arrose hein. Elle arrose sacrément bien. J'ai l'impression qu'elle arrose comme un gros en fait. Basiquement. Ouais, lâche le budget. Hein.
Là, tout n'est qu'une question de budget. Je me suis encore fait abattre, hein, gros. J'ai vraiment deux gros sur la table, quoi. Donc j'envoie du Warpipeu avec, hein. Une camionnette. La camionnette de chantier, elle est tombée. Bon, vraiment, vous allez balancer vos grenades sur un caillou, les gars, quoi. Et si vous voulez mourir, dites-le, quoi. Vraiment. Ici c'est trop bien, en plus c'est gratos quoi, enfin franchement. Bon, ok, ça tire aléatoirement, je veux bien, mais bon. C'est cadeau ça, regarde. Bon, et c'est pas ultra précis. En plus c'est fun quoi. À battre un gars quoi, secours, il reste plus qu'un gros sur la ligne de front quoi, le drame. Bon, ça bratate bien hein, quand même hein. Doucement mais sûrement hein. Voilà. Et heureusement que les gros ils sont solides hein. Ah oui, une fois que vous avez perdu c'est tout court, hein. C'est pour toute la map, hein. c'est pas juste la mission, hein. Bien sûr. Donc le niveau de puissance, il est maximal. Normalement, l'ennemi, il est un sup. Ouais, on voit que les unités ont changé. Ici, je crois qu'ils ont rajouté un missile. Ici, ils ont rajouté le canon, c'est sûr. Il y avait un hélicoptère à gagner. On l'a déjà cet hélicoptère ou pas? On l'a déjà. Après on peut aller s'en chercher hein. C'est toujours rigolo. On va aller chercher un nouveau coucouter. On déploie un véhicule, on déploie les mobilettes. Les mobilettes. Une Warfront Pass. Une pipelinette. Oh, promo. Promo sur la tourelle. On se fait une petite promo. Hein. Plus de déploiement. Ok, bon, on va se garder la ressource tourelle sous la main pour l'occasion. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est 170 mètres. Ça va être violent. Un petit boulot d'étranglement au milieu là. Ça va être un peu brutal. Oh, ils sont enragés. Ah, c'est ça le niveau de puissance max. Genre, ils sont énervés. Ils sont en mode run, 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 run. La vague maximale tout de suite. Je déploierai bien les tanks, mais en fait, on va d'abord déployer la pipe. Ah oui, il y a une tourelle automatique qui va empêcher de passer. Ouh là là. Ouh là, c'est pas bon ça. Déluge de pétrole.
Le pétrole vous rend plus fort. Buvez du pétrole. À 125 le camion quand même, hein. On va déployer un coup. Deuxième gros. Plus de cash, plus de cash. Troisième gros. Un warp pipo. Deux warp pipo. Plus de cash. Un dernier gros. Et après, des camions. Oh, la mitraillette, elle fait mal. Elle fait tellement mal. Et on est sur la vague ennemie, hein. Là ça va piquer dur. Hein. Je me demande si je prends pas encore un peu de pognon là dans cette histoire. Elle pique beaucoup, ça me pique fort les gars. Elle me pique très fort. Ok, ils ont une toile qui a plus de munitions. Alors je sais pas si c'est temporaire ou si c'est définitif, mais on va essayer de pousser, on va essayer d'en profiter. C'est quoi la solidité du véhicule? Ça va pas faire mon feu, ça a l'air de prendre une sauce. Oh là 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 là, ah, ils ont du matos. Hein. Ah, ils sont équipés, hein. Ils sont pas venus en short, les gars. Ah, ils peuvent détruire mes pompes. Pas l'argent. Détruisez tout si vous voulez, mais pas l'argent. Agressifs, hein. Elles sont agressifs, hein. Oh, ils avaient pas de la mettre dans leur céréales ce matin. Hein. Ouah, je me suis fait tout abattre. Ah ouais. Ah non, ouais, non. Ah ouais, c'est terrible, hein. Ils sont violents, hein. On s'est fait abattre. Il n'y a pas d'autre terme. Ça a rien que je vais déployer deux gars pour le plaisir, mais ils vont se faire smoke. Ouais, déjà un, deux, voilà, terminé. Ils sont inexistants. C'est de l'abattage, là je me fais abattre. L'ennemi est méchant. Ils sont quand même pas gentils, vous avez vu, ils détruisent même les pompes de pétrole, quoi. Ah, c'est horrible ce qui nous est arrivé. On s'est fait brutaliser. On s'est fait brutaliser. Et le pire, c'est que là-dedans, faut qu'on avance. Ben, on va aller là, en direct. Hein. On va pas pouvoir se conquérir une île entière, là. Fouah, c'est chaud. Pas se laisser faire. Le grand promo, mais j'ai pas de budget, mec. Hein. J'ai perdu, j'ai rien comme budget. Bon, là j'ai sorti de quoi m'énerver. Deux tourelles automatiques et leur orgue de Staline. Par contre, c'est précis, ça. Temporiser. Temporise super bien, mec. Laisse pas les gens te dire le contraire.
Oh, ils font ça super bien. Ok, la vague ennemie, là, là on est dans le dur, ça part. Je peux installer d'autres pétroles? Visiblement, il n'y a plus de potentiel pétrolien, pétrolifère. Ils sont bons, les petits gars, ils sont bons. Allez, faut me tuer un gars encore. Hein. J'ai pas l'impression qu'on peut viser les tours à l'ennemi. Comment ça? Quoi? Ça prend 3 places le gadget? C'est sérieux. J'ai assez de place. J'ai des mecs, vite. On voit le taux à gicler. Allez. Pourquoi les améliorations de ce véhicule hein? Ils ont un missile automatique en plus, c'est ça? Ah oui, ils ont un missile automatique. Plié. Juste avec des mecs gratos, un puits de pétrole et des camionnettes de chantier. Heureusement qu'il y a des mecs gratos à envoyer sur le terrain. Ça risque d'être ultra chaud. Et le boss final va être infâme. Ok. Du warp il peut. On s'est pas encore lancé. Ouais. Un rocket et un sniper. Ça me fait plaisir. C'est mon cadeau. Et histoire d'être sûr de viabiliser, on va prendre les chiens. The Doggos. Alors on est sur des trucs, faut plus trop rigoler maintenant, j'ai bien envie de rajouter des missiles. On a testé ceux-là, on n'a pas encore testé ceux-là, mais ceux-là j'aimerais bien les garder pour la fin. Ça a l'air un peu plus énervé. Franchement les chiens sont pas très chers et très efficaces, je pense qu'on peut partir comme ça. Un gros. Pas aller plus loin. Juste pour voir, les corps ingénieurs, c'est toutes les constructions coûtent moins cher. Les boutons d'assaut se rechargent plus vite. Tous les véhicules gagnent une grande quantité de santé supplémentaire, ouais. Ouais, on va peut-être pouvoir forcer au hangar hein, prochainement. 100 mètres, c'est très court et on commence tout de suite dans le dur. C'est pas bon ça. Opération sable interstellaire. Elle marche en sable. C'est du boy et un rocket. Ah oui, faut que je paye pour déverrouiller les snipers. $85 le sniper. Envoie-moi des chiens. Hors de prix pour sniper débile. Les chiens. Meilleure qualité prix. Voilà. Les chiens m'ont buté une vague entière. Au calme en plus. 2 snipers. J'ai mis de la qualité. J'ai mis de la qualité sur ce terrain. Enfin,
un peu long à se mettre en place les snipers, mais j'avoue ils sont efficaces. Vous allez pouvoir tester ça. Vous allez voir. Ça vaut quand même son pesant de fric. Tenue de camouflage rend le sniper bien plus difficile à toucher. Non, c'est pas mal, je dois reconnaître qu'ils sont pas mal. Et là, l'avantage en plus pour moi, c'est qu'ils vont vite être sur le front. Et en plus, dans très peu de temps, dès que j'ai 20$, il n'y a plus d'ennemis en face. Hein. À cause de deux gosses. Là je peux envoyer les gars au compte-goutte, c'est pas très gênant parce que l'objectif c'est juste qu'ils tankent le temps que les... du coup je peux avoir un lance-missile supplémentaire. Le temps que les snipers en fait se mettent en place pour tirer. C'est tout, ils servent juste à dire aux gars arrêtez-vous deux secondes, les snipers se mettent en place s'il vous plaît. C'est tout. Ça sert qu'à ça. Les chiens. Les chiens, les chiens quoi. C'est parti hein. J'ai lancé des dogos sur table. Voilà. Les snipers devraient être assez prêts pour tirer n'importe quoi. Normalement. Voilà, seul truc qui est chiant, c'est que là, vu que j'ai des lance-missiles et des snipers, bon, ça avance pas très vite, c'est... Et j'ai une force de frappe qui est très, très, très statique. Mais, force de frappe qui avance quand même. Ah oui, il y a eu en plus le vide, ils ont plus rien là. Allez les gars, faut avancer avant qu'ils se repointent. Ah, ce qui est vraiment dommage, c'est que les roquettes et tout ça, ils avancent pas quoi. Voilà. Parce qu'en fait, les roquettes ne tirent pas sur la base ni les snipers. Ça, c'est vraiment chiant. Ok, deux tours. Oh. On va s'équiper. On va s'équiper un petit peu. Ok. Donc là, on arrive sur les choses sérieuses. très sérieux. Ok, donc c'est sérieux. C'est sérieux. Moi je dis si c'est sérieux. Ok, mais dans ces cas-là, un hélicoptère. Un gros hélicoptère. On peut se prendre une camionnette de chantier à la limite. Alors déjà, on va se prendre un avion du bombardement. Ça, c'est sûr. Tourelle automatisée, sac de sable, pompe de pétrole. Et je pense que c'est déjà bien. En vrai, on a déjà un véhicule. On va attendre qu'on va devoir débloquer à 3 étoiles, je crois. Ah non, qu'on doit attendre 1 minute 30 déjà. Et qui coûte 200$ pièce. Youhou ! C'est un peu cher. Hein. Et le Warbus. Le Warbus. J'ai même pas regardé les noms. Puma KN38, VRL. Le Ramrod M7. Le Tomahawk, ok. Le Warbus. Et le gros, ça fait comment, Artilleur Lourd? Il a un vrai nom.
Le pipe scorpion. Le show pipe. Le pipe bouclier. Okay, technicien, le warp pipe. Le que pipe. Le que pipe. Les que pipe qui sont si forts, hein, ils ont tellement fait leur preuve. Mais je pense que là on est bien déjà avec ça. Ouais, t'es hors de prix de toute façon. Corps ingénieur, coût des constructions réduit de moitié. Ça peut commencer à devenir très très intéressant. Bon bah. On va tanker nos véhicules. Nous on aime ce qui est gros, lourd, blindé et plein de pétrole. On est comme ça. Alors, on va changer de stratégie exceptionnellement. On va commencer par installer tout de suite une pipe. Voilà. Et à partir de là, on s'envoie des gars. Oh, il est déjà sur la base, lui. Il était trop énervé, toi. Vous êtes beaucoup trop vénère, les gars. Donnez-moi un peu de pognon, là. J'aimerais assurer ma défense. Voilà. Normalement, j'ai assuré ma défense, là. Ok. Défense assurée. Oh, par contre, c'est funky, hein. Eh, hey, on vous a jamais dit, les gars, la guerre, c'est funky. Oh, ça aurait été trop beau que je puisse la mettre, là. S'il vous plaît, 60 balles hein, la tourelle. Oh, bah attends, allez hop, boum! Juste au tourné, hein, c'est cadeau ça. Ah, on se met un gros. J'ai pas regardé si j'avais un. Si j'ai un deuxième emplacement à pompe de pétrole. Oh, c'est qu'il faudrait que je l'aligne. Hein. Elle est sec ma tourelle là-haut? Ça se passe comment? A l'air d'être la grande forme pour elle. Ah, par contre ils ont plus de tout, ils ont plus de tout à l'en bas. Oh, j'ai pété la défense du bas. En moins de temps qu'il en faut pour dire fromage. Alors oui, ça c'est quoi? Oh putain, excusez-moi. Je sais pas ce que ça fait. En mazette pour la défense des ponts. Incroyable. Ok, c'est bugué à nouveau. Oh la dinguerie. 200 balles. Ah oui, je vais pouvoir les débloquer. Cool. Parce que par contre, je peux pas mettre ma tourelle là-haut. C'est très, ma pompe à gasoil, je peux pas la mettre là-haut. Ah, c'est je le déploie comme je veux, c'est un. Ok, je sais pas trop comment ça se déploie, mais let's go, on déploie. Des commandos d'élite. Un, deux, trois, quatre. Quatre commandos d'élite. Ok, donc amélioré à fond. Ça me lâche 5 commandos d'élite, c'est ça? Ok. Ah, ils tirent pas sur la base non plus. Ah si, piu avec leur silencieux. Ça pue piu, hein. Piu. Ouais, ils sont un peu pourris, hein. Faut pas être méchant, mais c'est un peu de la merde, tes machins. Et pour quelques dollars de plus, je peux avoir un autre gros. Qu'est-ce qui a explosé mon gros? Je vais prendre quelques dollars de plus, je veux un gros.
contre, c'est ce funky. Hein. Par contre, il est chiant à rien vouloir placer au top parce que c'est trop haut. Ça, c'est un peu gonflant. Hein. Boum. Viens, sous ton nez, là. Tu les... Ça t'occupe un peu. Ah oui, le problème c'est que j'ai rien pour défendre en bas. Ça c'est un petit problème. On rentre en plein dans la vague ennemie, là ça va être dur. Ça va être très dur. Par contre on est funky, hein. Donc j'ai envie de dire on est imbloquable. Parce qu'on est funky. Pétrole, gasoil, disque en vinyle. On est funky. Aligné tout méga? Vous êtes sérieux là? Qu'est-ce qui m'a buté tout méga? C'est pas sympa les mecs. Ah, ça va, ça sera dur hein. Deux véhicules. Trois camionnettes de chantier là. Ça va? Au calme. J'ai l'impression de déranger un peu alors que je suis censé être chez moi. De mon côté de la frontière. Quantité de véhicules, et je suis pas à la fin de la vague du tout hein. Donc ils vont continuer à m'envoyer des camionnettes de chantier comme ça là. Ah mais tire sur le pognon, arrêtez de tirer sur mon fric. Bon là on a un petit avantage stratégique, c'est qu'on tire plus loin. Donc on tire avant qu'il le tire. Ça sauve des vies, croyez-moi bien, ça fait la différence. J'avais envie de placer des sacs de sable parce que pour le coup ça pourrait être utile, mais on va pas pouvoir. Hein. Ah mais ça y est, je me suis fait réprimer dans la violence. Hein. Ah j'ai une tourelle explosive, ok. Je sais plus c'est quoi le bouton au milieu là. Vraiment ça me stresse. Hein. Cette gâchette là, c'est... Ah oui, c'est... Ah oui, ça me donne du feu tout de suite. C'est vrai. En fait, je... C'est ça. Ok. Genre, si je prends du fric, voilà. Je sacrifie des emplacements de bonhomme et ça me donne du fric tout de suite. Voilà, c'était start sur ma manette. J'avais oublié ce détail. Est-ce que j'ai besoin de plus de fric? Bon, la réponse ça serait sûrement oui, mais je vais tantôt. J'ai envie de pouvoir rajouter des gars à l'occasion. Cher. Ah puis j'ai plus personne en bas. C'est quoi cette merde?
Ah oui, l'autre il passe par en bas, il rentre comme dans du beurre. Et il est à la maison le gars, il en tombe. Je voulais pas leur offrir genre vaguement de la résistance. Genre vaguement au moins. Genre vaguement il y a vague. Oui, très intéressant comme. Allez, saucez-moi ça. Hein. Alors, attends, j'ai un peu de pognon. Pas de trou, pas de point. Je vais en mettre du pétrole. Allez, feu, les gars. Hein. Pas genre. Hein. Oh putain, on aura souffert. Hein. Et on est au des warpipeux. Hein. On est là pour faire souffrir les gens, pas l'inverse. La démocratie, tout ça. Hein. Leur pétrole, quoi. Oh, quelle indignité. La boss finale, non. On va d'abord se faire cette île là. Ouais, on va se faire cette île là. Ouais, 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 on va se lâcher. Hein. On va se lâcher. Ah oui, je suis limité en emplacement. Donc on va se lâcher, mais hein, calmez-vous quand même. Un hélicoptère. Et un tank. Un tank pas cher. C'est un hélicoptère cher. Très bien. Impeccable. On se met un groupe pour assurer. C'est toujours bien un groupe pour assurer. Ça c'est rigolo. On peut s'en reprendre un. Baril de pétrole. Into. Puits de pétrole. Je vois pas ce qu'il y a d'autre à dire. En fait. Pour le pétrole. 170 mètres, c'est la map avec le pont au milieu. Ça va être une longue mission. Non, ça va être très rapide. C'est soit je meurs, soit je meurs pas. J'ai pris de base. Ah oui, ils ont 4 tourelles. Plus 2 tourelles automatisées. Je vous dérange? Non mais vous me dites, hein, je peux entendre que je dérange, hein, je peux comprendre. Deux emplacements de puits de pétrole, les deux fonctionnent, ça c'est formidable. Hop. Ah, ça en est déjà tombé comme des mouches, direct. Ah, ils vont mourir, putain, c'est con. Hop, 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 vendre mon baril. Baril vendu. Oui, oui, calme-toi. Calme-toi, Jean-Charles. J'utilise le pouvoir ancestral du pognon. J'aurais pu débloquer un véhicule, j'étais un peu con. Mais j'essaye d'assurer maintenant, parce que le problème c'est qu'ils ont, ils ont une force de frappe qui est quand même très très énervée, on l'a vu. Hein. C'est débloqué, c'est 100 balles. 3 emplacements, bon 3 emplacements t'inquiète pas, on va les avoir, tous les gars vont mourir. Hein. On va les avoir, c'est pas le... voilà. On les a déjà. Ah bien, on en a beaucoup là d'ailleurs. Camion, 3 clodos. Ça tire bien un camion? Bon, il y a trop de clodos qui tirent, j'arrive pas à savoir si le camion c'est bien. Ah, il fume déjà le camtar quoi. Il en peut déjà plus, genre officiel. Donne-moi du fric, hein, je veux pas en entendre parler. Il y a des lance-roquettes au milieu là. C'est très très abusant de mettre des lance-roquettes au milieu. Ah, du coup, je peux aligner un deuxième camion. J'avoue que c'est un peu rigolo quand même. Faussé, hein.
saucer barbecue tout. Sauce barbecue, on va s'ajouter des emplacements. Ça, dès que j'ai 100 balles. Alors, dès que j'ai 100 balles, ou pour l'instant on se dit non, mais vas-y, on se pose d'abord un autre puits de pétrole. Comme ça, on se pose plus la question, l'investissement maximal a été placé. J'envoie mes gadgets. Le tank est tombé. Assaut, les gars, assaut! Vous êtes l'incarnation de l'hostilité. Deux tanks. Deux tanks, les gars. J'oppose des arguments ou ça se passe comment? Ça fait aïe, hein. Ça fait aïe, là, d'un coup. Hein. Ça ramène moins sa gueule, hein. Ça fait aïe, hein, d'un coup, hein. Ah, bande de salopes. C'est insupportable, hein. Plus de gars. Du but, j'en ai, hein. Ah, je vais pas me gêner, hein. Ah, vous voyez, j'ai l'air de me gêner, là. Je fais rien du tout. Feu, saucé, tirer comme des sourds. Tirer plus comme des sourds. Plus comme des sourds. Oui, j'ai pas déployé l'hélicoptère. Je suis un fou. J'ai pas déployé l'hélicoptère. Bon, il faut 5 emplacements. 175 billets. Trouvez-moi 175 billets, les gars, s'il vous plaît. On veut voir un hélicoptère. On le verra pas. J'ai déployé un hélicoptère. On l'avait pas vu en vol. Allez, à deux temps que. Moi, faut reconnaître que. Il y a une certaine véhémence, hein. Deux blindés. Il y a une certaine forme d'hostilité. Par contre, le plus 1, quoi. Je sais pas, c'était un plus 1, quoi. C'était un plus 1, quoi. C'était quoi le plus 1? Je sais même pas c'est quoi. Mais plus 1. Déployer du bâtiment de 50% moins cher. Je prends. Comment on s'équipe? On va à la bagarre finale, là. This is the final bagarre. Bon, alors. On le coupe tout terre. Gros blindé sa mère. War qui peut gratos. War qui peut pas gratos. Shield. Alors, c'est le moment de sortir l'arme ultime, les dogos. Gaswall. Enfin, j'aurais bien voulu prendre des missiles aussi, hein, mais gaswall. Faut faire des choix. On se déploie comme ça. Après, si on perd, on a encore d'autres ressources qu'on pourra aligner à la limite. Hein. Parce que là, on a sorti du coûteux. Hein. Devons nous défendre contre l'ennemi. Regardez, c'est l'ennemi. C'est Voltec. Très bien. Ah oui, du coup, ça coûte que 60 billets. Refait à fond. Hein. Et évidemment, t'es bugué, espèce de con. Et genre, même à la souris, je peux pas aller le chercher. Genre, spam click. Si je spam click, ça passe ou pas? Ça va pas passer. Ça, c'est con, hein. J'ai pas le temps pour ça. Je suis chiant. Go.
On a le temps de nouveau se faire chier avec ça. Non, viens-moi ça. Non, j'y arrive pas, c'est chiant. C'est bon, on a réussi. On a réussi à le placer, mais c'était un peu chaud. Ils sont déjà chez l'ennemi, là. Genre, vous êtes dans la gueule de l'ennemi, là. Ah ouais, ils ont bien poussé, hein. J'étais un peu impressionné, hein. Je vous mets des boucliers avec vous, hein. Bon, bon, vous êtes déjà mort, mais dans l'idée, il y a des boucliers avec vous. Ah oui, mais c'est... Oui, j'ai oublié que j'avais envoyé des chiens. Chier, ils ont fait le taf, évidemment. Hélicoptère! Hein? Ah oui, c'est vrai qu'il faut 5 gars pour le déployer. Ouais. Faut 5 emplacements. Ça se trouve, hein. Laissez mourir le petit gars là tout seul en champ, là, ça va bien se passer. J'aurai la place. Ouais, donne la place pour. C'est un hélicoptère qui coûte 5 places, hein. Il a intérêt de. Il a l'air de posséder ses arguments à lui. Ah, tu tires de là? C'est un peu chaud quand même. Il est un peu chaud quand même. Ah, il a l'air un peu chaud quand même, hein. Chaud quand même. Ah, il est bientôt en rate de carburant. Je vais déployer d'autres pompes parce que je sais qu'il y a une carte, entre autres, qui est rigolote. Tu peux déployer des pompes chez l'ennemi, quoi, genre. Ah ouais. Non, par contre, c'est un petit peu fâché. Autour base. Ok. Bah, ça avait de la gueule. Ma gueule. Ah, il me faut un peu de budget là. Il retourne à la base l'hélicoptère, je peux le relancer. Allez, je le relance direct. Pas d'embout. Bon, on peut vous lancer une petite squad de dogo aussi. Ça fait. Allez, alors, on peut même faire courir les chiens si on veut. Ah, ils ont sorti leur gros tank, c'est vrai. Ah bah, ils ont plus de gros tank. Ok, c'est le Thunderstruck, c'est l'hélicoptère ultime. Il n'y a pas de... Enfin, c'est l'unité même ultime. Hein. Y a pas de discussion. Il n'y a pas de débat, je crois. Par contre, faut que tu me dises que tu peux tirer sur leur base avec leur missile, là. Un missile fabriqué en cours, et c'est sûr, d'ailleurs. Allez, maintenant, il va me falloir des emplaçants, parce que là, par contre, je sais plus ce qu'il faut. J'ai perdu un blindé, c'est terrible. Ah, tu tires même en arrière. Oh, mais il est trop classe, il est trop classe. Il a trop de classe pour le reste du monde en fait. Son coup de canon à lui, on l'a vu, hein. Efficace, hein. Il a sa petite mitraillette, mais coup de canon dans le tas, là, il n'y a plus rien. C'est bien, on n'est pas trop emmerdé pour des questions de budget. Allez, on peut avancer, les gars, on peut avancer. C'est bien, là. En plus, c'est bien, il garde ses... En plus, il est intelligent, je veux dire, il garde ses missiles pour les ennemis
consomme du... Enfin, qui nécessite qu'on tire dessus un missile pour les détruire, quoi. Vous tirez pas sur la base? Ah si. Ah oui, mais qu'au gros canon. Je taquine un peu quand même. C'est pas très passionnant ce que vous faites, les gars. Je comprends mieux pourquoi la petite camionnette à mitrailleuse, en fait, elle est pétée. Parce que elle arrose les bases, et vu qu'elle tire comme un gros, et qu'elle a une mobilité de dingue, bah finalement elle est assez craquée. C'est maintenant qu'il arrive l'autre blindé. Enfin, il est pas pressé, les gars. Hein. Oh, le niveau de fonctionnariat, il est impressionnant. Ah, je fais casser un blindé. Je me suis fait péter un temps, j'ai même pas fait gaffe. Mais l'hélicoptère fait tellement café, c'est horrible. C'est horrible, c'est injouable, c'est méchant même de ma part de faire ça. Hélicoptère, quoi. Il est là, il est au milieu du champ de bataille, il attend que ça se passe tranquillement. De temps en temps, il me fait « Oups, faut que j'aille à la pompe, les gars. » Ça s'est passé lentement, mais sûrement. Je l'aurais appelé, cette mission, je l'aurais appelé « Escargot vaillant ». Un nouveau type de missile que j'ai jamais croisé dans le jeu. Plus d'hostilité balistique et j'ai récupéré un fût, ça fait plaisir. Alors, let's go to the boss. On va se reprendre des boucliers, on peut se réaligner un gros, on se reprend l'hélicoptère, ça c'est sûr. Un blindos. Un gros blindos en plus, comme un gros sale. Le missile high-tech. Oh, excusez-moi, du coup, il y a la souris qui casse les doigts. Qui a énormément de munitions. Non. Voilà. Ajoute-moi ça. Un baril. Ah, j'ai plus de pompe. Ah, j'ai plus de pompe. Ah, y a nos pompes. Dans le loot, on va s'ajouter. Ouais, on est à la fin. Hein. S'ajouter Dougou. J'ai le budget. On se recharge plus vite. Oh, les coûts de déploiement de véhicules sont réduits de 1. Hein. Ça part. Opération Tofufu. C'est fou le tofu. Le problème c'est que je ne sais plus combien il coûte lui. 175 $. On va pas pouvoir tenir jusqu'à qu'il arrive. Hein. C'est ça. Sauf si je claque ça et je le déploie direct. J'ai fait le dingue. J'ai fait le dingue direct. Je suis arrivé, je fais. Je veux juste jouer ça, moi, en fait. Excusez-moi, mais c'est la seule chose qui m'intéresse. Pour 20 $ de plus, je fous le bordel.
On va quand même améliorer la troupe de manière générale. Parce que toi, je suppose que ça juste augmente canon embarqué, améliore la fréquence de tir du canon. Tomahawk. Et la dernière, c'est un niveau d'amélioration carburant. Donc c'est quand même assez important. Donc là, normalement, il est déjà en une phase du dépote. Hein. Alors, deux missiles. Tirer comme je veux, genre comme ça. Et comme ça. Bon, bah c'est parfait ça. Hein. Moi, j'ai rien d'autre à dire. Mais rien à ajouter. C'est très, très joli. J'aurais même pu dire esthétique à la limite. Ah. Ça retourne au camp. Au moment où on déploie les gros. Là idéalement il faudrait que je garde et la place et l'argent pour l'invoquer. Enfin pour l'envoyer sur le terrain. Ce que j'ai bien envie de faire, parce qu'on va rentrer dans le dur. Ça tient avec deux gros. Hein. Ils ont un peu clarifié la carte quand même, par contre, hein, les deux gros. Hein. On est au max. Ça, c'est la bonne nouvelle. Des pop. Lancer ça sur leur base? Ça, ça marche. Non, ça lance pas dessus. Et ça vise un ennemi aléatoire au pif. J'aurais pas sorti un char d'assaut. Vraiment, j'ai sorti un hélicoptère de gros. C'est la dinguerie. Normalement, j'ai deux gros qui sont en marche. Ça arrive. Non? Ah, j'ai aucun gros en marche. Envoyons des shields. Je pense ça super bien, les shields. 150 billets et ça prend la place de deux bonhommes. Ah si, ici voilà, j'avais deux gros. Enfin, de toute façon, c'est écrit en bas que j'ai deux gros. Pas un idiot. Quoi ? La puissance ennemie était déjà au max. Comment ça ? Nous avons triomphé, évidemment. Évidemment. Bon, bah, c'était la fin de ce petit let's play sur Warpipe, hein, qui était incroyable. Hein. Évidemment, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez des pouces bleus, éclatez-vous, partagez, c'est incroyable. Jouez trop bien. Je vous remercie, c'était Clarfonction comme d'habitude Gaming, et puis je vous dis à la prochaine, ciao.